Merci Martin à la musique. On est de retour en studio. Malheureusement, on avait Michel Courtemanche qui était censé venir nous rejoindre en studio pour nous parler de sa nouvelle plateforme web, mais il est pogné dans le trafic, comme on dit. Alors, on se tourne sur une scène, on va y aller avec un remplaçant. C'est un artiste multidisciplinaire qui s'appelle Vadrouille. Yeah, salut Vadrouille, bienvenue en studio. Alors, Vadrouille, t'es ici pour nous présenter ton nouvel album solo, c'est ça? All right, good. Comment t'es venu l'inspiration pour cet album-là, Vadrouille? OK, good. Ça dit ici en arrière, Vadrouille, que c'est un mélange de guitare électrique, de harpe et de triangle, c'est ça? Bon, OK, écoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller une petite pause, hein? Ce qui risque d'être pas mal plus intéressant que ce qu'on vit en ce moment. Puis j'imagine que... On revient avec toi en entrevue, Vadrouille. All right, après la pause. Bon, oh, Raymond! C'est bon, parce que Chris, il parle pas. Non, mais je veux dire, il parle pas. D'habitude, une entrevue, c'est entre deux personnes qui jasent. Cinq secondes. OK, on part. Ouais. All right, alors, on est de retour avec Vadrouille qui nous parle de son album. Hein? Et Vadrouille, est-ce qu'on retrouve des paroles sur cette musique-là? Ben là, c'est parce que je vois rien, là. Y en a pas sa pochette, là. T'as oublié de les imprimer ou t'as pas le temps, j'imagine? OK, écoute, il sort quand, officiellement, cet album-là, Vadrouille? Bon, écoutez, alors, si vous voulez un album de musique sans paroles qui sort ou pas, éventuellement, cet automne, j'imagine, à quelque part là-dedans, là, ben c'est ça, il s'appelle Vadrouille. Et son album s'appelle Silence éphémère. C'est quoi la prochaine entrevue, là? Une chorale de mime? C'est n'importe quoi, là! Oh. OK, hey! Raymond! Bon, je sais pas trop ce qu'il me dit, là, mais... pardon son album, hein? On va le jouer. Ça a l'air bon, hein? Bon, Monsieur Fafouin, là, on a fait plusieurs essais, là. Il y a eu l'aide technicien à l'enfance. L'assistant-entraîneur pour chien de garde. Puis il y a eu le guide pour personnes non-voyantes. Et ça, on sait ce qui est arrivé, hein? On est en attente de procès. Il ne me reste plus grand-chose. À moins que... Mon beau doudou, toi... Laisse-moi donc voir si je me rappelle encore de tes points sensibles. Oh! Ah! Oups! On dirait que tu nous as ramené un peu de popcorn du cinéma! On dirait qu'il est encore meilleur quand il vient de ton gros bedon. Voyons, qu'est-ce que c'est ça? Oh mon Dieu, le jouet de chien, je le cherchais partout! T'es un petit cachotier, toi! Aïe aïe! Voyons, qu'est-ce que ça fait là, une trappe à souris? Ah, ben voyons, c'est mes lunettes fumées, ça! Pis ça, c'est quoi? Ah oh, ben... Le cadeau de ma belle-mère. Juste te dire que Noël, c'est fini depuis 6 mois, là. OK, mais là, c'est quoi ça, tout ça, là? C'est quoi? Tu fais même pas de musique! Tu joues même pas au golf! Tu fais même pas de motomarine! Là, le tam-tam du Mont-Royal, c'est fini, là. Ça, c'était pas moi. T'es même pas passé l'Halloween. Un petit entretien, ça te ferait pas de tort, peut-être, hein? Oh. Ça, c'est à moi, là.